Hey, salut Bix, comment ça va? Moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Cold War où je vais vous montrer mes settings ainsi que comment optimiser vos FPS. Mais si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à la partager à un maximum de personnes. Donc sans plus attendre, on va se rendre dans les paramètres. Clavier souris, visée. Donc c'est un peu les mêmes sens que Warzone. Donc 7. Là j'ai pas touché. Transition visant progressivement. 100, vertical 100, tac, vertical 1, ça j'ai pas touché, ça 178. Du coup, pour ça c'est tout. Gameplay, tac, 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 tac. Ça je crois que j'ai pas trop touché. Là je vais défiler doucement. Du coup, je suis intéressé les raccourcis, donc ZQSD, santé, espace, sprint, mise à jour de gauche, marcher de gauche, tirer, R, 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 deux clics, la souris, charger R, arme suivante, j'appuie sur la molette, équipement mortel, les deux raccourcis sur le côté de ma souris, 4 et 5, amélioration de combat, moi c'est X, interagir F. Après mes séries d'élimination, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tirer de vue, tac, 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 tac. Après là, il n'y a plus rien d'intéressant. Donc voilà pour mes settings. On va passer tout de suite au graphisme. Donc, j'ai pas besoin de ce qu'elle sent. 100 résolution du coup 1920 par 1080, voilà, j'ai laissé à 100. Ouais, c'est automatique. Daltonien, ouais, je l'ai mis par exemple. J'ai mis comment? J'ai mis les ennemis en jaune. Franchement, les deux couleurs, enfin, j'ai testé plusieurs couleurs. Le jaune, c'est très bien, je trouve. Parce que c'est prouvé quand même scientifiquement que le cerveau réagit plus au jaune qu'aux autres couleurs. Je sais pas si ça, c'est pas si vous voyez, même quand il y a du soleil, c'est un petit exemple, quand il y a du soleil on est tous contents, enfin c'est bizarre, c'est, je suis pas scientifique les gars. Mais moi je trouve aussi que quand je mets le jaune, j'aime bien. Après il y a violet, franchement c'est pas mal aussi violet, parce que c'est bien foncé sur la map, ces deux violets là, et c'est franchement pas mal, j'ai essayé. Hein. Les deux violets et jaunes c'est pas mal. Après le reste, j'ai mis moi je me suis mis en vert du coup. Et mes alliés en bleu. Voilà un peu ce que j'ai. Du coup voilà pour cette petite parenthèse. Après, j'ai besoin de récupérer des filles. Luminosité. Je vais laisser à 50, je peux toucher. 160. Limiter l'image par seconde, 160. Bah, normalement mon écran c'est un 144, j'ai pas mis 144 donc j'ai mis peut pas. Enfin je crois que vous pouvez pas. J'ai un doute. Ça peut être de 55. Ouais, je suis bête, c'est moi qui est bête les gars. J'avais oublié que vous pouvez le mettre manuellement. Voilà, 144, parce que moi sur mon écran c'est un 144. Dans les menus, moi je laisse à 60 parce que dans les menus c'est pas super important. Ça suffit largement. Voilà, qualité de la texture moyenne, qualité des modèles faibles, qualité des effets spéciaux moyenne, reflet d'écran sans faible, définition de l'eau sans, photométrique sous faible, faible, sans, 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 qualité de flux cinématique, ça normalement. C'est faible, c'est au niveau des armes, c'est de la merde, je ne sais pas pourquoi il est en moyen. Du coup ça me permet même de voir des trucs que j'avais oubliés. La grande surprise. Qualité transparent 100-100. Elle était dans la partie 80%. Voilà, ça c'est ma carte. Voilà, piqué. Voilà, même en ayant pas une grosse carte graphique, bah franchement, je tourne autour de 100 FPS et c'est très bien. Voire 120, ça dépend des surfaces. Pour Call of War, c'est pas mal. Voilà, après audio,
que ils sont pas muets. Après musique, moi je lève toujours, ça fait mal au crâne. J'ai laissé tout à son, vous pouvez baisser. Les dialogues, les dialogues c'est un peu fort des fois, je vais baisser je pense, je vais mettre 80. Boost des basses. J'ai laissé ça. Vous pouvez mettre. Personnellement j'ai laissé ça. Après je sais pas ce qui est le mieux, j'ai testé plein, j'ai pas trouvé. Il y a que sur Warzone que je trouve les aiguilles ça marche bien. Sur Cold War, je sais pas comment trouver de différence. Enfin si il y en a mais. En fait ça me suffit. Les basses. Boost des basses, ça me suffit largement. Ça me suffit, j'aime bien. J'aime bien ce que ça envoie. Après vous pouvez tester les autres, mais je pense que c'est le meilleur. Donc voilà grosso modo ce que j'ai mis, ça j'ai pas touché. Voilà voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à ce que vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, pardon. Ainsi qu'à liker. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à